la page de Poitou qui a connu des problèmes, les deux bâches d'ailleurs qui ont connu des problèmes, sont en pleine réparation et je crois d'ici 2, 3, 4 jours, elles vont être remises en état pour commencer à fonctionner. Et, mais nous étions obligés de voir aussi la barge qui traîne là parce que nous avons le projet de l'amener du côté Mitoaba. Mais à part cela, nous sommes venus voir la route ici sur l'avenue Laurent Désiré Kabila du côté CRA. Effectivement, nous constatons que la couche de fondation elle est déjà bien faite et nous avons des canalisations des deux côtés qui sont en train d'être construites. Et donc, c'est encore une satisfaction pour nous. Mais le vrai problème, c'est le timing. Nous courons toujours derrière le temps. Bientôt, c'est la saison des pluies. Et donc, il faut à tout prix que l'entrepreneur accélère avec le travaux pour qu'on relie ce quartier à la ville. Et nous connaissons que pendant la saison des pluies, les habitants de ce quartier ont des difficultés de circulation. Mais cette fois-ci, je crois que nous allons résoudre leurs problèmes. Ils ont fait au moins une semaine, la barge ne fonctionnait pas, mais Dieu merci, avec la volonté du gouverneur de province, on a arrangé le premier moteur et aujourd'hui les pièces sont là pour arranger le deuxième moteur, donc c'est quand même un soulagement. Vous savez, le milieu rural occupe plus de 70% dans la province du Haut-Katanga. Et son Excellence Monsieur le Gouverneur de la province, Jacques Yabula Kadwé, ne peut pas accepter qu'une partie de la province soit coupée à la ville de Lubumbashi où ils sont en train de se procurer le bien et service. Ça fait une semaine où ils n'ont pas travaillé, ils n'ont pas traversé, ils étaient bloqués à Poitou. Mais aujourd'hui, avec notre première barge, ils peuvent traverser. L'arrivée de nos ministres, nous sommes contents à Poitou par rapport à ce que les ministres viennent de faire pour nous. Merci beaucoup en tout cas. Nous les encourageons de continuer à faire le mieux, le plus que ça. Tu n'as pas eu ça, 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 tu n'as pas eu la population. Napika accent sana kwa papa gouverneur mundu alitumia bantu kutengenezea balabala mu une semaine banapita lupembe 100 km iko na foncé kumbele napika sana accent sana kwa président wetu Tshisekedi tu tapika accent kwa papa gouverneur na kwa papa président wetu tu ya ikaji ya balabala en tout cas kama bakutupe kwa akiri. Chiyoué, kama turi pata po motoka mvula omo, mais va natengeneza rapidement.
Par jour, nous sommes en mesure de faire même 3-4 km. Si les engins se portent bien, on peut faire même 3-4 km. Parce que pour le moment, nous sommes dans la fourchette des 50 km, c'est-à-dire entre Lupembe et Mukupa. La vision de son excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est de voir nos milieux ruraux être liés à nos villes. Et c'est ce qui est en train d'être matérialisé ici au niveau de la province par son excellence, Monsieur le Gouverneur Jacques Kaboula Katwe. Jamais le gouvernement provincial, jamais le gouvernement national dirigé par le Premier ministre Samalou Kondé acceptera que cette partie de la population soit coupée de la ville de Lubumbashi où ils sont en train d'évacuer leurs produits de champs. Et la population doit être confiante et sereine en leurs autorités car l'objectif doit ranger cette route et que la route soit praticable. Un sentiment de tristesse en voyant l'état où nous trouvons cette centrale de Lubale qui en son temps était en train de servir le territoire de Mitwaba en électricité. L'objectif de son excellence Monsieur le Président de la République c'est de voir nos milieux ruraux être connectés à l'énergie que nos populations puissent très bien vivre. Mais ce constat est vraiment amer. Ce qui est bon c'est quand nous voyons la conduite d'eau qui est intacte et son excellence monsieur le gouverneur de la province du Haut-Katanga Jacques Kaboula Katwe en nous dépêchant sur ces lieux c'est pour que dans le cadre du développement rural qu'on puisse voir si possibilité de réhabiliter d'acheter le matériel qui manque afin que une fois de plus la population de Mitwaba soit servie en électricité. La sécurité. Le développement et la sécurité vont ensemble. Quand vous voyez un inconnu, avertissez les autorités qui vont s'occuper de lui.